Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle valise de la marque Mucar. Alors ce modèle là c'est la Mucar CS. Dans la boîte vous aurez alors un petit câble pour mettre les mises à jour si vous n'avez pas la Wi-Fi. Vous avez la valise en elle-même avec la prise OBD qui va se brancher. Et là vous avez deux notices qui font beaucoup de langues. Vous avez espagnol, allemand, français, anglais, vous avez le russe, le japonais, portugais, etc. Enfin, il y a beaucoup de pays. Donc voilà, elle se présente comme ça. Elle est vraiment légère, c'est vraiment une petite valise. Et là, tout de suite, je vais la brancher et je vais vous montrer le modèle. Comment il marche, les fonctions, etc. Alors, une fois que vous l'avez branché à la voiture, ça se présente comme ça. Donc moi, je vous conseille de faire toutes les mises à niveau, toutes les mises à jour. Dès que vous l'avez branché, vous voyez, vous allez là et ça vous met en fait toutes les mises à jour. Donc regardez là, il y en a 67. Bon, moi, je ne vais pas les faire parce que là, c'est pour la vidéo. J'ai juste mis Audi pour vous montrer par rapport à la vidéo. Mais sinon, vous voyez, vous avez toutes les marques de voiture, toutes les mises à jour des rubriques, etc. Okay, donc ça va assez vite. Hein, vous voyez, quand vous avez la Wi-Fi, par exemple, si je mets Aston Martin, hop. Voilà, vous voyez que ça va vraiment vite. Téléchargement en cours, installation en cours. Voilà, c'est déjà fini alors que je suis juste avec la Wi-Fi de mon téléphone. Donc ça va super vite. Et après, logiciel amélioré, c'est ce qu'il y a. Vous voyez, dernière version, c'est les versions qu'il y a. Mais moi, je vous conseille de, dès que vous l'avez branché, de faire les mises à jour avant de l'utiliser. Après, vous avez paramètres. Donc là, c'est tout ce qui est la langue, le centre de service de la marque, etc. Voilà, vous pouvez même discuter en temps réel si vous avez des problèmes avec la valise avec le SAV. Voilà. Après, là, vous avez l'historique de toutes les voitures que vous avez cherchées. Ok. Là, vous avez les fichiers, l'instruction pour savoir comment elle marche. Donc là, vous avez diagnostiqué. Donc, on va aller dans Audi. Soit vous faites une recherche automatique du VIN, soit vous allez dans la rubrique. Là, j'ai fait la rubrique pour vous montrer. Alors on va faire un petit test rapide. Donc après c'est comme toutes les nouvelles valises, hein, test rapide, balayage du système pour voir les différents systèmes que vous avez dans la voiture. Mais vous voyez, regardez, ça va vite. Voilà, donc là il n'y a que 4 rubriques, donc l'électronique moteur, boîte de vitesse, les freins et les airbags. Donc là, aucun défaut. Si vous avez des défauts, vous faites effacer défaut et après vous pouvez rentrer dedans pour plus de précision dans chaque rubrique. Ok, on revient en arrière. Alors là on va dans service et entretien, donc vous pouvez réinitialiser les freins et rentrer le piston pour l'arrière, tout ce qui est vidange et entretien, les capteurs dans les pneus pour les TPMS quand ils sont HS ou non, la air carburant et là pour régler le volant. Donc voilà, pour l'instant il n'y a que ces rubriques là. Après il y a sûrement d'autres rubriques qui vont arriver s'ils décident de les mettre dans les mises à jour en plus, mais après ça reste une petite valise. Ça c'est une valise qui vaut pas trop cher, mais voilà, ça sert si vous avez les entretiens, le reset et vous voulez faire des recherches des défauts, c'est une très bonne valise. En plus ça reprend le programme de Fincar. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc si vous avez des questions sur cette valise, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est une très bonne valise pour un petit particulier qui veut faire des recherches de défauts, qui veut rentrer les freins et faire les entretiens de vidange. Voilà, ça va juste le suffire. Par exemple, si vous avez une Audi ou une Volkswagen, vous voulez rentrer les freins, de temps en temps vous faites la vidange et ça vous suffit largement. Et de faire un diagnostic, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse valise. Après, bien sûr, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Hein. Ça reste une petite valise. Voilà, mais c'est une très bonne valise. Moi, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse de voir cette valise, ça vous intéresse de voir les autres produits de Mucar. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!